Salut les viewers, c'est Marcus Ponus qui suis complètement fou, qui est complètement fou d'ailleurs. Hein. Donc et bienvenue dans la période de l'épisode 2 Starbound V5 Please the Giraffe, chers amis. Donc j'espère que la mise à jour ne sera pas sortie d'ici là d'ailleurs. Ce serait bête, ce serait véritablement dommage. Donc voilà, et si je peux mettre un petit bout de lave genre là-dedans, ce serait parfait. Parfait, hop. Petite lumière rouge qu'on saura reconnaître rapidement. Bon. Avançons, toujours en quête de blueprint, chers amis. Hop, dégagez. J'ai vu un coffre en dessous. Dégagez. Hop. Hop. Dégage. Rien ici, nous sommes cette fois-ci sur une planète de type Frozen. Je vous avais promis une planète qui ne serait pas agrémentée de magma, normalement, en dehors de celui que je rajouterais. Donc bon, j'y crois. Je veux y croire. D'ailleurs, je pensais à ça tout à l'heure, chers amis. Je me pose des questions. Si, techniquement, plus de biomes seront disponibles sur les planètes, est-ce qu'on trouve, comment on sera géré, en fait, entièrement les monstres? Je vous parlais dans le précédent épisode, je crois, ou dans celui d'avant, du fait que les monstres étaient assez problématiques, vu que ils ne se prenaient ni pièges, ni problèmes environnementaux, si je puis dire. Donc oui, moi je trouve ça personnellement assez chiant, parce que c'est, enfin, l'attrait d'un combat, c'est qu'il ne soit pas que taper sur le bonhomme, je veux dire. Donc par exemple le projeter dans de la lave ou un truc comme ça, ce serait sympa. Mais si techniquement, par exemple, imaginons cette planète, il y ait de la lave, ça voudra dire que il faudra que chaque monstre de neige soit aussi capable de résister à cette lave. Est-ce que vous me suivez? Par conséquent, il y a un coffre là. Hop. Par conséquent, ça veut dire que tous les monstres ont une résistance à tout, normalement, les effets, entre guillemets, de planète. Et donc, en fait, ça va plutôt avoir, en fait, on a plutôt une indication sur le fait que dans la prochaine mise à jour, l'inverse se produira. Les monstres gagneront forcément une immunité face aux différents aléas du jeu. Et je trouve ça presque dommage. Enfin, en tout cas, c'est une spéculation, hein, mais je trouve ça dommage dans le sens où, justement, on attendait l'inverse, tout simplement. Enfin, moi, j'attendais l'inverse. J'attends toujours l'inverse, d'ailleurs. Car oui, je pense que... Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la lumière ici? Donc apparemment, c'est ces cristaux qui créent de la lumière. Ah, génial. Vraiment génial. C'est pour ça que je vous l'avais dit. Ah oui, superbe. Superbe, superbe. Pour ça que je vous avais dit que j'aimerais bien faire ma planète sur... Enfin, trouver un... Donc, vous savez que je vous avais prévenu que j'allais chercher une... Une lush planète, enfin, une barène... Enfin, sans forme de vie, là. Je vous en montrerai une vite fait quand on montera sur le vaisseau si j'en trouve une pas loin de là. Avec de la neige dessus, j'aimerais beaucoup. Et honnêtement, ce serait vraiment génial. Quand on voit la beauté de ces planètes, encore un bonhomme dedans. Qu'est-ce qu'il dit le machin? C'est une prison prismatique. Bah écoute, tant pis pour lui, hein. C'est bête. Pas de coffre, c'est vraiment dommage. Je trouve que les biomes de neige sont vraiment magnifiques. Hein. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Ou alors un système de saison, par exemple. Certaines planètes avec des saisons. Genre tous les 10 jours in-game. Vous changez de saison, un truc comme ça. Ça peut être sympa. Hop, je prends toutes vos ressources. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, tant pis. Rien d'intéressant ici. Dégagez! Boum! Ok. Dégagez! Ah merde, dégagez! 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 Ah là, il me touche à chaque fois! Aïe, j'ai cru que j'allais me prendre des dégâts. Soyons honnêtes, j'ai cru que j'allais m'en bouffer. Oh là! Ok, pas de blueprint.
Pas de problème. Hop, non, vous ne m'aurez pas. Oh, un coffre glace. Ça, c'est la tenue du Bigfoot, voilà. Par contre, ça, c'est stylé. Ça a toujours été stylé. Bon, je vais garder la... Je ne l'avais pas, parfait. Ok, les chiottes, on en a pas besoin. Maman, mes chiottes! Mes chiottes, mes chiottes, mes chiottes! Je sais pas faire, je sais plus faire Cartman. Je savais pendant un temps. Ça remonte à loin maintenant. Faudrait que je me re-regarde la série. Peut-être que ça reviendrait. Bon, bon, bon. Tu venais en pèlerinage, non, c'est ça? Tu es un Novakid? Je crois que c'était un Novakid, chers amis. Ok, non, regardez comment j'ai l'air tout jaune aussi, moi, là. Bizarrement. Hop, raté. Hop, raté. Raté. Ah, mais merde. Dégagez. Hop. Mais merde. Voilà. C'est mieux comme ça. En plus, je suis vachement loin de ma souris parce que j'ai encore le setup. J'ai encore le setup de Daily Dangerous depuis tout à l'heure. Oh là là. Il y a de quoi rire des fois. Ah bla. Non, c'est pas par là que je veux aller. Hop. Hop. Raté. Ah putain, il me touche chaque fois. Il me touche sans cesse. Je suis touché, chers amis. Pédophilie. Enfin non, je suis majeur. Harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel. Attouchement. Dégage. Santé. Touché. C'était beau. C'était beau, c'était beau. Non, là, je toucherai pas. Là, je touche. Oh, dommage. Il s'est arrêté avant. Oh, mais merde. Crac. Oh. Hardened Carapace. Dégagez. Ah, mais merde. Dégage. Dégage. Hop. De la santé? Non, dommage. Eh, viens voir papa. Viens voir papa. Hop, t'es mort. Et on a fait un tour. On a allé voir, on a allé voir le coffre. Eh ben, même pas. Bon, on va voir en profondeur si on trouve pas un blueprint. Je suis déçu, on en trouve pas depuis quelques épisodes. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ok, j'aimerais bien pouvoir... Ah, ah, ah. Non, c'est un coffre de donjon. Oh là, je vois une porte par là. On va pas faire comme les précédentes. What? Oh non! Alors attendez. Il y a un truc ici. Ok. Et il y a une porte. Allons-y. On va bien voir avec un peu de bol. Ça me dit vaguement quelque chose. C'est pas celle sur laquelle on est mort il y a pas long... On est mort il y a pas longtemps, pardon. Hop. Si si, ça me dit vaguement quelque chose. Si je pouvais me payer la tech blink, je pourrais être sur toi. La brûle pendant ce temps-là. S'il te plaît, merci. Hop. Brûle en m'attendant. Eh ben non. Non, c'est pas sur là, c'est pas sur celle-là qu'on est mort. Celle-là, on l'a passé, il me semble. Il a pas sauté. Quel con, il a sauté. Aïe, ça fait mal. Hop. Ça fait moins mal. Quel con, il a sauté. Oh non, mais débile. Oh, joli marteau. Non, c'est une hache. C'est une hache. Bah écoutez, ça fait deux armes inutiles dans ce coffre, c'est dommage. J'aurais préféré un blueprint ou une arme utile, tant qu'à faire. Ou une chaise de bureau, ça serait pas mal. Pour moi, en vrai, en fait. On peut pas brûler le sol, dommage. Ok, c'était un coffre, mais avec rien dedans. Oh là, un coffre. Oh, bonjour. Ne pète pas sur ma gueule, s'il te plaît. Oh, mais vous êtes nombreux en plus dans le coin. Oh, mais merde. Hop, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez jamais. Bon.
Hop, charpenote. Oh, je peux pas la récupérer en plus. Qu'est-ce que je vire? Ces fameux trucs en bois métallique là, hop, voilà. Il m'a donné des steaks, tant mieux. Un lance-flamme, un autre. Est-ce que c'est, cela dit, le même? Apparemment oui, mais alors attendez, il y en a deux différents. J'ai besoin de vérifier si les deux font autant de dégâts l'un que l'autre. Parce qu'ils ont deux skins différents, c'est ça qui m'embête en fait. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode. Et ça m'inquiète. 43, ouais, j'ai vu 43 en max. Ah, j'ai vu 37 en max là. J'ai cependant bien vu un 43. C'est quand même efficace comme arme, hein, dis donc. On peut pas le nier, hein. Il me semble qu'on avait encore une. Voilà. Creusons. Des sales bêtes par là. Oula. C'est pas l'arme que je voulais. Ah oui, c'est parce que je suis. Il y avait bien un petit crocodile. Excellent. Espérons que ce soit de la santé. Eh ben non. Oui, il y avait un petit coffre là-bas avec une tech potentiellement. Ça m'intéressait pas la tech. Je serais curieux de savoir si le lance-flamme fonctionne sur les objets en bois. C'est vraiment quelque chose à intégrer. On a vu dans le précédent épisode, chers amis, des choses. Oula. Ouh là là, il va y avoir un suicide dans peu de temps. Oh, me dis pas que... Il a réussi à venir, ce sac. Hein. Santé? Ah, double santé, parfait. Ça aurait été bête de mourir sur un pic. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut casser? Oui. Hop. C'est vraiment efficace comme arme, j'aime beaucoup. Dommage que la convention de Genève... Enfin, que les conventions de Genève... Ou la convention... Je sais plus. Je sais plus comment qu'on dit. Ok, j'ai cassé le coffre qui était là aussi. On n'a qu'à dire que c'était pas grave, que c'était pas ma faute. Aïe. Allez, tu peux le faire, Marcus. Tu peux passer. Voilà, je t'avais dit que tu pouvais passer dans le trou. C'est ce que je dis à toutes les filles. Malgré la taille, je peux passer. Oh là là, je me vante en plus, là autre chose. Hop, parfait. Parfait, parfait. On continue à descendre. On va finir par tomber sur un blueprint. Non? Vous allez me lâcher mon blueprint ou pas? Souvent quand je dis ça, je tombe sur un coffre derrière. Donc je l'ai dit un petit peu intentionnellement. Coffre. Il a pas brûlé, vous avez remarqué? Eh ben non! J'ai voulu y croire. J'ai voulu y croire. Je l'avoue. C'est marrant ça. Ils sont plus là comme des objets que comme des mobs. Hop! Bouffer quand même, merde. Oh putain. La vache. La sale bête. Off. Suicide. Le suicide du Marcus. Ok. Hop, je passe. Il n'y a rien par là. Il n'y avait rien par là. C'est génial.
Aïe. Ouh. De 5 diamants. Sympa. Sympa, sympa. Vous me ferez pas de mal. Là, y'a personne, carrément. Toi, là, j'ai une vengeance sur, sur un de tes frères. Aïe. Aïe, double douleur. Ah, on arrive en bas de la planète et on a rien trouvé encore une fois. Oh là là, le manque de bol. On a eu du bol pendant quelques temps, mais alors là, on est retombé à un niveau de manque de bol. Oh là là. Bon, je vais bien récupérer de la lave. J'en ai combien de lave sur moi? C'est bon, j'ai tout récupéré? Pas encore. Parfait, là je suis full. Donc... Oh, je sens que cette lave va me tuer. Je sens que cette lave va me tuer très très vite. Je vais creuser un trou ici. Histoire de libérer la zone. Si c'est pas suffisant, j'en creuse un ici. Et forcément... Je crois que ça veut dire qu'il faut remonter. Donc j'en profite pour vous montrer le genre de planète sur lequel je veux aller avec vous. Hop, en tout cas pour la version 1.0 du jeu quand elle sortira. Histoire de pouvoir profiter un maximum des différentes nouveautés qui vont arriver donc dans cette version. Peut-être que j'en ai une dans la zone, avec un peu de chance. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille sur une gentle. Bah là je risque pas d'en trouver. Hein. Dance Forest, Lush Planet, with Teaming Live, nanana. Non, on va essayer d'en trouver une rapidement. On va essayer d'en trouver une rapidement. Non, non. La numéro 2. Voilà, c'est ça. On va y aller. Ah, mais t'es chiant, t'as appuyé toujours sur le truc, toi. Hein? Donne-moi mon cadeau. Donne-moi mon cadeau, à genoux. Elle me donne de la bouffe. Elle me nourrit. Elle me nourrit, chers amis. C'est vrai que c'est bon en plus, putain. Bon. Niveau bouffe, en parlant de bouffe, on va quand même remonter, on va mettre ça dans la cuisine. Ah, vivement que la 1.0 sorte, chers amis. Et à la fois non, oui et non, parce qu'en fait si elle sort pendant que je suis pas en possibilité de tourner, vous allez rager. Vous allez tellement rager. Hop. Grenade launcher, ça m'intéresse pas. Blink explosion, c'est pas celui que j'ai trouvé le plus utile. Bien, du coup j'ai viré mon seul marteau en fait, ça se trouve. Bon, c'est pas grave. Ok, bon. On redescend. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Potentiellement. Bon, jusque là ça va. Donc voilà le genre de planète sur lequel j'aimerais aller. Cependant, il est possible qu'on n'y aille pas. On choisit une planète plus classique peut-être. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a strictement rien, ni une parallaxe intéressante, en tout cas pour l'instant. J'aimerais me renseigner sur ces mondes de façon un petit peu plus profondément, si je puis dire. Sur internet, tout ça. Mais jusque là, oui, c'est pas si intéressant que ça. Je pensais que ça allait être plus intéressant que ça, plus joli que ça surtout en fait. Mais là, pour le coup, ce n'est pas intéressant. Enfin, peut-être que ça changera certainement avec la 1.0, sachant qu'il y aura plusieurs biomes en fait sur la même planète. Et donc j'espère qu'il y aura en fait plusieurs, entre guillemets, biomes temporaires, enfin non, météorologiques, sur chacune de ces fameuses planètes de construction. Parce que comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une planète dédiée à la construction en masse. Donc voilà. Voilà le genre de planète sur lequel j'aimerais être si elles sont améliorées dans la 1.0. Sinon, bah écoutez, on pourra aller sur une planète un peu plus sympathique. Et on verra si on y trouvera des choses intéressantes. De toute façon, ce sera comme ça que ça va se faire, chers amis. Hein. Ça va se faire au fur et à mesure. Assez tôt dans l'aventure, je vais peut-être même voir me donner en give le carburant nécessaire à me déplacer pour trouver cette planète, pour qu'elle soit agréable pour vous, chers amis. Et qu'on puisse profiter et vraiment faire des choses sympathiques sur cette dite planète. Hop. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Eh bien écoutez les amis, du coup on va cesser là-dessus pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas trop bien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo.